Salut les amis, c'est Dash. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur Fallout. Donc, ça va être un let's play sur le Fallout 4 au complet. Je vais essayer de faire ça en plusieurs épisodes. Donc, je vais vous emmener avec moi dans ma petite aventure et je vais vous laisser profiter de la vidéo de départ avant de me lancer dans le jeu. Voilà. Allez, à tout de suite! La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte. Mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au 21e siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. S'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée. C'est que la guerre... La guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Tu crois ? Évidemment. Et nous revoilà. Donc, bien. On arrive au moment où en fait on peut créer le personnage. Donc vous avez une interface qui permet de créer un personnage en fait en faisant des choix plutôt simples. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc on peut sculpter le visage avec des sélections. Vous cliquez ici, vous pouvez étendre. Descendre et faire des valoches et tout ça quoi. Très pratique. On va annuler. Hop, voilà. Donc on peut choisir la couleur de peau. Le pâle. Très bronzé. On peut faire. Voilà. Hop. On va annuler ça. Et moi je vais prendre je vais prendre un visage prédéfini, on va dire. En fait, on peut choisir. On a des visages préconstruits, ça m'évitera de chercher pendant 3 heures quelque chose à apprendre. Ou alors je pouvais même garder celui de départ, mais bon, on va dire que toutes les autres vidéos que je vois sur YouTube en général sont ou avec la fille de départ ou avec le mec de départ en général. Il y en a d'autres. Hein. Quelle tête j'ai bien pouvoir me prendre. Il y a une bonne tête de vainqueur celui-là. Allez, je vais prendre celui-là. Allez, c'est parti. On y va. Donc. Voilà. Donc on est dans Fallout 4. Un petit bébé, un joli bébé.
font très poupée quand même. Il y a eu beaucoup de, au début de la sortie du jeu, il y a eu beaucoup de blabla sur internet où vous trouviez des gens qui parlaient de Fallout. Comme quoi, on est en 2015, début de fin 2015, début 2016, et que c'était scandaleux que le jeu soit pas beau. Du moins, pas une claque graphique comparée aux autres sorties comme The Witcher 3 ou, et autres. Je considère que c'est une connerie. Le jeu est largement beaucoup plus joli que le 3. Franchement, le barbare dans la jungle des bébés vampires. On est vraiment très bien avec ça. Mon préféré. Voilà. Donc quand on voit la différence entre les robots de Fallout 3 et ceux de Fallout 4, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Bon allez, c'est parti. Des Nuka-Cola. Nuka-Cola. Bien frais. Miam miam. Allez, hop, c'est parti. Bon. Une voiture de Voltec devant la maison. On va voir ce qui se passe. Ah, pas encore. Ma femme est là, on va parler. C'est fou, c'est déjà Halloween. Oh, je détecte une odeur suspecte. Je crois qu'il est temps de changer le petit chaud. J'étais pas trop pour au début, mais Cotsworth, c'est très gentil avec Sean. Bon, ouais. Il y a le robot qui est parti changer le petit. Si ça pouvait être comme ça en vrai. Non, je rigole, je plaisante. Hein. Occupez-vous de vos enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Ouais, vraiment très joli là, les animations de la télé. Lecteur d'holoband. Il y a plein d'holoband dedans. Un tas de vieilles holoband. Ah, une personne qui se pointe avec un chapeau melon. Un peu bizarre. Non, c'est pas un chapeau melon, c'est un chapeau normal. Un chapeau à la Freddy Krueger. Tu peux aller ouvrir ? Ouais, je m'en occupe. Bonjour, société Voltec. Bonjour. Va être poli. Regardez ça. Quel magnifique ciel bleu. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Eh bien, je vous écoute. Je vois ça, monsieur. Je vois ça. Mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est... un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. Tu es fatigué, garçon, est-ce que tu peux accélérer ? Intéressant. Oh, ça l'est, vous pouvez me croire. Vous avez d'ores et déjà l'autorisation d'accéder à l'abri en cas de... destruction atomique mondiale. Garçon, comme garçon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vu sa tête, ça fait un peu flipper quand même. D'accord, j'accepte. Très bien, très bien. Alors, voyons. Ah, tiens, les attributs qui font de nous quelqu'un de spécial. Qu'est-ce que j'ai bien pour en mettre ? Alors, qu'est-ce que j'ai bien pour en mettre ? On va mettre de la perception, de la force, un peu le charisme, de l'intelligence, l'agilité, je m'en fiche, et la chance, un peu de chance. On va faire ça, ça, ça. Hop. Alors, force un peu plus. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais être bien comme ça. Ça me va. Moi, je peux pas accepter. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'il faut que je monte au moins un point dans les deux autres. C'est pas cool, ça. Non, c'est pas ça. Pourquoi je peux pas valider ? Qu'est-ce qui se passe ? Point disponible 0. Ah oui, il faut que je choisisse un nom. C'est pour ça. Eh, bah dash. Hop. Hop. Et voilà. Bon, j'ai choisi mon nom. Je peux accepter. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Ça, c'est une façon d'envoyer balader quelqu'un. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non ? Ah, ce que je ne ferai pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas ? Allez, c'est parti, on va aller voir pourquoi le bébé.
Codsworth. Tu as entendu Codsworth? Allez, allez. Si je puis me permettre, il faudrait que vous vous occupiez personnellement de Sean. Un enfant a besoin de son père, c'est normal. Alors, comment vont mes hommes préférés? Fais tourner un peu le mobile, il adore ça. Alors, faire tourner un peu le mobile. Où est-ce chose-là ? Comment se porte mon petit bonhomme ? Ça va mieux ? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Ouais, bonne idée. Madame ? Monsieur ? Je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe ? Codsworth ? Allez, go, on va voir. Aveuglant, des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Quoi? On m'indique que nous avons perdu le contact avec nos autres studios. Des sources sûres nous confirment que... Oui. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. Allez, let's go. On aille à l'abri. On se barre. Allez, on se magne, on se dépêche, hop, hop, hop. Si vous êtes inscrit, rendez-vous immédiatement à l'abri 111. Allons jusqu'à la côte, ça devrait être assez loin. Mais c'est pas le cas. Faites la queue, les postulants pour l'abri par ici. Bon, je vérifie pas, mais je sais qu'elle est derrière. Hein. Il est un peu plus loin. J'ai préparé le terrain. Dirigez-vous vers la porte. C'est absurde. C'est moi, Voltaire. Vous ne rentrez pas. Si je rentre, vous ne... Laissez-nous entrer. On est sur la liste. On va mourir. Enfant. On va être bombardés. Pas ma dune. On peut le faire, qu'on doit inscrire au nom. Merci. Bonne chance. Vous deux, suivez-moi. Je lis les armures assistées. Hein. On n'a pas le temps, on va mourir. Allez, dépêchez-vous. Montez sur la plateforme. Mettez-vous au milieu. Ah ouais, on monte. On y est presque. Tout ira bien. Je vous aime. Tous les deux. On t'aime aussi. Oh non ! Vite ! Descendez tout de suite ! Accroche-toi ! On peut pas aller plus vite ! Oh mon Dieu ! Aidez-moi ! Yahoo ! On a eu chaud, hein ! Bon. On va rentrer dans l'abri 111. On va découvrir ce qui se passe là-dedans. Tout va bien. Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Salut les tous. Bienvenue dans l'abri 111. Salut, quelle est sa femme derrière. L'avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Montez l'escalier. Ouais. Je n'arrive pas à le croire. Si on était parti une minute plus tard, n'y pensez plus. On serait tous... Vous êtes en sécurité maintenant. Montez tous l'escalier et franchissez la porte. Voltec est à votre service. Merci d'avancer en ordre. Nous souhaitons la... La porte, elle a pas encore servi qu'elle est déjà piquetée de rouille, quoi. Il est pourri, votre abri, je veux pas y aller. Femme avec enfant. Le taux est fait de la table. Prenez une combinaison. Les niveaux sont... Il vous faut une combinaison pour accéder au reste de la ville. C'est une bombe atomique ? Bon, tu te dépêches, toi. On ne passe pas la semaine. Là-bas, s'il vous plaît. On est sauvés. Merci. Merci, par contre. Et maintenant, suivez le médecin. Avancez jusqu'à la table. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Bon, vous d'accord. Trois, suivez-moi. Tenez, maintenant suivez ce couloir. C'est notre nouvelle maison. Vous serez bien ici. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. Par ici, s'il vous plaît. Je peux vous dire que ça change largement des anciens abris. Ouais, surtout de ceux de Fallout 3 et New Vegas. Combien de temps est-ce qu'on va rester ici? On vous expliquera tout ça lors de l'orientation. Mais d'abord, on va commencer par un examen médical. Vous serez bien ici. Examen médical. Comment dire? Il paraît pour l'avenir, pas vrai? Vous avez une famille adorable.
Comment dire ça? Je vois que ça sent le coup fourré à plein nez. On voit de la glace à l'intérieur. Ça sent la capsule cryogénique. On enfile la combinaison, il n'y a pas de soucis. Voilà, capsule combinaison enfilée. Et on monte dedans. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Fonction vitale de l'occupant, normal. Bah oui, j'y ai entré. J'étais en bonne forme avant d'entrer là-dedans. Un peu claustro, non? J'ai l'impression. Ah. Bah voilà. Là là. Ça sentait le piège à plein nez, cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, l'armée lui. Oh, tu vas faire quoi avec ma femme et mon fils, toi? Alors attends bonhomme, tu viens de piquer mon fils et tu viens de tuer ma femme. Comment dire? Si je te mets la main dessus, t'es mort. En plus, d'après ce que j'ai compris dans l'histoire, on est un ancien militaire. Alors, je vais être méchant, mais en fait, on va arrêter là la vidéo pour celle-ci, voilà, parce qu'on commence, va commencer le jeu en profondeur à partir de maintenant. Donc, j'espère que cette petite vidéo d'intro de mon Let's Play Fallout 4 vous a plu. Pensez à laisser des, comment on appelle ça, des commentaires, les petits likes ou le dislike si vous avez aimé ou pas aimé. Et voilà, et pensez à vous abonner et à faire tourner les vidéos. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye.